Bonjour YouTube, nouvel épisode de God of War, épisode 35 je crois, et cette fois je vous promets qu'il va se passer des choses, on va pas crever en boucle contre des Valkyries, on va pas galérer à essayer d'utiliser des vents de Hell pour débloquer deux talismans qu'on n'utilisera jamais dans le jeu. Cette fois, aujourd'hui, on va faire de la quête principale. Et on commence avec un peu de lore que Mimir nous racontait sur le retour à Midgard. Odin et les Jotnar. Odin s'intéresse à Jotunheim car il craint d'affronter les géants lors du Ragnarok et convoite leur prophétie. Les géants seraient des experts en prophétie. Pensez à demander à Mimir pourquoi on appelle Odin le seigneur des Pinzu. Voilà. Comme ça vous êtes au courant de tout. T'as un truc à dire toi? Non. Allez, go quête. C'est parti. Donc là, maintenant qu'on a fait le... Alors attends, on va lire quand même ce que ça dit. Objectif. Ou le royaume de Niflheim. Ah oui, putain. On a trouvé deux codes sur quatre. Épreuve de Muspelheim contre la... Épreuve 1 normale. Ah, parce qu'en plus, il y a plusieurs... Tirez parti de tout ce que vous avez appris pour tuer vos ennemis rapidement et efficacement et examiner avant la fin du temps en partie. On verra une autre fois. Et c'est quoi les autres travaux? Ah oui, travaux, carte au trésor, artefact, bon... retourner au sommet de la montagne, nous pourrons enfin ouvrir le pont qui mène à Jotunheim. Information sur l'objectif, nous avons la rune noire et le burin du tailleur de pierre. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de remonter au sommet et nous pourrons nous en servir pour ouvrir le pont menant à Jotunheim. Alors, je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais apparemment quand tu ramasses ces lames du chaos, oui je l'ai déjà dit, t'arrives à la moitié du jeu, donc en fait là il y a moyen qu'on avance très rapidement jusqu'à la fin du jeu. Donc on va, prochaine fois qu'on save, faudra le faire sur une autre sauvegarde. Histoire d'être sûr de pouvoir backtrack si on veut pouvoir niquer de la Valkyrie. Et donc là on go sur la porte de Jotunheim là. Si j'ai bien compris. Qui était la seule porte scellée. Évidemment, tout va se passer comme prévu. Ah. Si on en avait fait un hommage aux Valkyries. Ah, Rota, c'est celle... Ramener la lumière dans tous les royaumes. C'était quoi déjà? Allumer les brasiers de tir dans les tours des royaumes autour du lac des Neufs. Ah, je l'ai pas fait, ça. Putain, 10 000 XP en plus. Oui, il faudra que je le fasse. Il faudra que je le fasse. Allez, paf, et de une. Ouais, paf, et de deux. Ça servait à rien, ça, si? Je sais pas. Si. À déverrouiller la porte, sûrement. Je vais dire à Simric que je suis un dieu. J'ai hâte de voir sa tête. Retourne à la montagne. J'ai peut-être gardé ton secret trop longtemps, mais maintenant, tu vas garder notre secret. Pas content. Il boude. Attends, celle-là, on l'avait lu ou pas? Oui, hein. Et oui, on était déjà passé par là, bien sûr, bien sûr. Et ça, on peut les déchiffrer maintenant. Je te l'ai dit, on devrait revenir avec un code. Ah. Oh. Quoi? Ah, Freya avait tout scellé avec sa magie de waifu, c'est ça? J'avais pas oublié un truc ici, moi, non. Par contre, il y a genre ça, À quoi il sert? Ah, il y en a plusieurs à activer, putain, non, mais dis pas que c'est ça, il y en a plusieurs à activer. Rien à foutre. On n'aurait pas pu se TP. Cacher notre vraie nature. C'est Odin qui garde des secrets. Pourquoi pas être honnête, comme Tyr? Tyr aussi avait des secrets. Et il avait de bonnes raisons. Il protégeait les gens. C'est plus sage de rester discret. Ça veut pas dire qu'il faut mentir à ses amis et à sa famille. Je suis sûr que Sindri comprendrait et qu'il ferait pareil, petit. Ne t'inquiète pas. Ya. Les muscles de masculin. Alors, petit, tu es impatient de découvrir la terre des géants? Oui, mais je suis triste que le voyage se termine. Et si on arrivait à Jotunheim? Mais qu'il n'y avait pas de géant là-bas non plus. Ça ne change rien pour nous. La seule chose qui compte est d'exaucer le vœu de ta mère. Ah,
Ne bougez pas. J'arrive dans deux secondes. Père, je peux lui dire ? Non. Me dire quoi ? Tu as mis ces trous dans ta bouche ? Oh, je vais vomir. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ce n'est rien. Une histoire de famille. Oh. Oh. J'en connais un rayon sur les histoires de famille. Laisse-moi deviner. Ton frère n'est pas aussi doué que toi et son travail ne vaut rien. C'est tout à fait ça. Et tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose ou sinon tais-toi. Oh oh. Oui. On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants. Très bien. Ce n'est pas très gentil. Je vais examiner ton équipement. Ouah. Putain, j'ai failli prononcer le vrai nom du gamin. J'ai failli spoiler un jeu que tout le monde a déjà fait, au secours. Oh non. Bon, attends, j'arrive, deux secondes. C'était pas prévu, mais... Ouah, je l'avais pas vu. Vénère. Alors, c'est pas toi que je voulais toucher, hein, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, Sindri, tu risques rien, t'es un PNJ. Allez, reviens. Brrr. Voilà, c'était pas trop prévu, mais c'est... On pensait vraiment que ça allait nous arrêter. Boulevard féroce. Quand un boulevard se met à quatre pattes, je m'en rappellerai jamais. Bon, comment on monte ? Signe solide de Providence. Voilà, moi je veux bien la rage, faf la rage, et le loot. La vie, elle peut rester là. Attends, on va finir de parler avec Sindri. Non, t'as pas de dialogue. Donc ça on a rien, ça on a rien, l'arc sert. Est-ce que ce serait vraiment utile de le monter le plastron de vagabond? C'est ça les questions que je me pose, les vraies questions de fou que je me pose dans ma tête quoi. Sérieux. En vrai, j'ai envie de garder ma thune pour augmenter des stuffs plus mieux. Hein ? Ah non, les, ça, c'est le stuff de vagabond. Ah, j'avais déjà amélioré au complet tout le reste de mon stuff. Ça, je peux pas parce qu'il me manque la pierre d'oubli. Pommeau de larmes. Coûte cher, hein. Oh putain, ça coûte tellement cher à améliorer, what the fuck. En plus, c'est du bleu. Je sais pas si j'ai envie de... Ah non, mais c'est pas les mêmes... Putain, quel con. Putain, et je suis... Le talisman qui m'intéresse le plus, donc à savoir celui que j'ai maintenant, est le seul dans lequel je peux pas... j'ai pas d'emplacement de... Ah, c'est peut-être parce qu'il y a 4 niveaux d'amélioration. Donc je pourrais lui gagner un emplacement d'enchantement que niveau... que niveau 6. Pas du tout. On se reverra très prochainement. Non, c'est faux. Je pense pouvoir trouver l'énergie nécessaire. Non, moi, attends, je voulais vendre parce que j'ai des artefacts, je crois. Voilà, j'ai une broche. Ravi que mes outils hors de prix s'avèrent utiles. Oui. Ta gueule. Donc j'ai toujours ma pierre de reste, du coup, vu qu'on n'a jamais... Voilà. Le stuff bleu, on garde, voilà. Bon. Du coup, Atreus s'est énervé.
Il a trash talk Sindri, c'était pas très gentil, c'était pas très gentil. Oh putain, il y a une chambre. Il y a une chambre pas loin. Il y a une chambre pas loin, vous le savez. Vous savez ce que ça veut dire, on va quand même y passer. On va y passer au moins, histoire de dire que voilà quoi. On l'a découverte. Pourquoi as-tu parlé aux nains sur ce ton? Ah. T'en as pas marre de les entendre se plaindre tous les deux? Si. Mais faire de lui notre ennemi n'arrangera rien. Il doit connaître la vérité, même si ça le blesse. C'était inutile et cruel. La vérité est plus importante que la bonté. Ta mère ne serait pas d'accord. C'était pas une déesse. Et voilà, le gamin, il a la grosse tête, il va faire chier tout le monde. Ah non, mais c'était là d'abord. Parce qu'il me semble qu'il y avait un coffre. Eh bien, ce n'était pas là. Il y avait un coffre inaccessible au début du jeu, mais bon, écoute, c'était pas là. Oh merde, le vent de hell, what the fuck? Oh putain, là là, mais les Metroidvania, mais là, il y en a pas. Non, là, il y en a pas, là. Hein? Oh non! Brrrrit! Et regarde. Putain, ça l'a pas buté, hein. Quoi encore? Non, oui, tu oui. Tu veux pas vu la porte à partir d'ici? Non. Mais pourquoi? Portez on quoi est presque arrivé, tu... Ah non, mais merde, on y va en plus, là, je suis con, moi. Ah ouais, mais là, on prend le long chemin. Qui est inutile, hein, d'ailleurs, parce qu'en vrai, on aurait pu se TP... Quoi, cette merde? Ah, le gouffre de Volun. Mais attends, on n'avait pas le monde charge, là? Tu sais que je peux le faire. Tu es sûr? Après ce que tu viens de dire sur elle, j'en doute. Quoi? Que c'était pas une déesse? Elle était meilleure qu'une déesse. Et je ne te laisserai pas lui manquer de respect. Allez. Bien. T'as qu'à la porter. Ah non, il me semblait qu'il y avait un coffre inaccessible ici. Ah, c'était peut-être plus haut avec des racines. Non, c'est ça, c'est ça. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir? Oh, une troisième Valkyrie que je pourrais pas battre maintenant. Mais bon, au moins si elle donne du stuff. Elle me fait flipper cette musique. Ça descend tout doucement. Putain, mais ces textures, quoi. Mon dieu. C'est de la pornographie visuelle. Ça veut rien dire. Je t'entends. Les corbeaux de daim. T'entends? Paf. Carte mise à jour. Paf. Le loot. Hein? Les sous. Comment ça? Mais non. Ah, c'est mieux, hein. Voilà. Par contre, c'est vrai que les pommes d'Idoun et tout, on en trouve plus, quoi. Si bien incrusté le Perseverance. Ah putain, mais c'est des enchantements, j'en ai rien à foutre de ça, moi. C'est honteux. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez, on la teste. On meurt. Et Ah oui. Une bouboule d'XP. Incroyable, c'est quoi ça? C'est de la lumière. Encore une corne, on peut... Ah, faut peut-être aller souffler dans les cornes après avec Mimir qu'une fois que t'as vaincu la Valkyrie pour la libérer de sa prison. C'est moi qui ai créé le jeu.
passe quoi là? Rien, c'est juste un... Ok, let's go. Donc... Ah, c'est bien parce qu'elles ont pas toutes exactement la même structure que les... Une autre Valkyrie. Nous devrions sans doute nous occuper d'elle. Ouais, bah. Ça ne nous concerne pas, Ted. Attention, Atreus. Quoi? C'est pas ce que t'allais dire? Peut-être. Si, mais t'es un peu chiant, en fait. Petit con. Alors, ouh, elle a l'air vénère, elle. Oh non, truc de poison, là. Calme-toi, calme-toi. Mais c'est ça. Et merde. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je vais utiliser la rage. Oh. Wouah. Je rêve où elle m'a éclaté en deux coups. Deux sauts 20 morts. Ils sont pas chiantes, hein, les Valkyries. Hein. Toujours commencer par la hache. Je l'ai raté, j'ai pas rêvé. Hein. Je fais de la merde. Aïe. Oh là là, je suis de la vie. Waouh, waouh. Ah ouais, elle a dit qu'elle s'en battait les couilles, quoi. Mais non, j'ai esquivé. Merde, 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 merde. Mais stratégie de quoi? C'est des sacs à pev et elle me bute en trois coups. Mais... Mais... Frère, non! Bon, allez, adieu, hein. Ah, on se casse d'ici... C'était bien, hein, franchement. Parce qu'en vrai, du coup, on pourrait stepper là, jusqu'au sommet de la montagne. Ah non, on peut pas. Ah ouais, ils sont pas cons. Ça, t'es obligé de te taper le chemin où ils ont remis des mobs plus ou moins à ton niveau, et tu dois te taper Atreus qui devient ultra chiant parce qu'il sait qu'il est un dieu maintenant. Et il crache à la gueule de tout le monde. Donc c'est cool. Donc ça va être la bonne ambiance, quoi. Allez. Ok, let's go. Bon, au moins on a découvert la chambre, on sait qu'elle est là et on peut s'y TP normalement. Par contre, on n'a pas devant de Hell. Voilà, on a Gerdriful ici. Là, on a Kara, à Elheim et à l'autre. C'est bien. Je sens les heures de fun arriver là.
Du coup, c'était par où? C'était par là. Allez, go. Du coup, on vit, je suis full vu que. Ouais. Ah non, ils vont pas nous refaire un fight ici, hein. SVP. SVP. Ah mais ils explosent en plus, je crois, non? Vous êtes pas ce genre de... Moi, je crois que oui, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Non. 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 Enfant. À l'aide. Au secours. Oh. Voilà. Non mais cassez-vous quoi. Non mais tue les gamins. Voilà, alors. Voilà. Voilà. Encore. Ok, let's go, ok. Et voilà. Ouf. Il a dit quoi, la justice? Ah, c'est des choses. Ah bah oui, c'est comme Helheim. Elles peuvent nous empoisonner, mais c'est surtout de leur bon qu'il faut se méfier. Ces créatures, c'est un vrai mystère. Elles sont toujours en groupe, mais au moins, ne sont pas difficiles à battre, blabla. On connaît. Mimir, si tu savais depuis le début qu'on était des dieux, pourquoi nous avoir dit qu'Odin essayait de nous suivre à Yotunai et avant qu'on y arrive? Ça paraît pas plus logique de penser qu'ils veulent nous tuer parce qu'on est des dieux et qu'on représente une menace? C'est une possibilité, mais le raisonnement d'Odin est subtil, et sa volonté est... Ne parle plus d'Odin et de sa famille d'imbéciles. Wow. Il commence à être chiant, le gosse. Va falloir le remettre à sa place, hein, Kratos. Alors voilà, moi, à partir de là, je suis d'avis, tu vois, qu'on a notre sauvegarde à Helheim. Donc comme ça, si jamais on avance trop, on sait qu'on revient là et on essaye les Valkyries et tout, et voilà. Et puis voilà. Oui, exactement. Et en vrai, on avait ça, non, pour se taper le trajet. Ou ça marche que... Ah non, ça marche que pour descendre, je crois. Et là, il y a le Kofuru, auquel on peut accéder maintenant. Incroyable. Incroyable, Metroidvania. Bien foutu. Acier trempé. Eh ben voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour le gosse. Quoi encore? Quoi encore? Oh là là. Oh, me saouler, là. C'est bon? Je hais ces mobs. Ouais. Donc là, on peut remonter là-haut, certes. Là, on sait pas pourquoi il y a du loot qui est apparu. Ça fait toujours plaisir, hein. Ah. Nice. Ouf. Allez, 4600 pièces.
Ah, gamin. Ah non. Ok, ça va. En 15 secondes. J'imagine que Vin est derrière ça aussi. Bien essayé. De quoi bien essayer? Ça a pas marché, hein, j'ai l'impression. Ah d'accord, ok. Je viens de comprendre ce qu'il a dit. J'ai un gros cerveau. Je croyais qu'il variait de la pierre que j'ai fait exploser, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait exploser du coup. Nous on va où? Maman et toi, vous m'avez toujours dit que les dieux étaient mauvais. Mais pas nous. Ni Tyr, ni Freya. Ah, par là. Mais les dieux As sont malveillants, eux. Et tu sais quoi? Odin a raison. On est une menace. Parce qu'on sait ce qu'ils sont et qu'on peut les battre. Eh bien, pas tous. Pas encore. Magni a essayé de nous arrêter et il est mort. Ouais, mais ils c'était. Sont pas meilleurs, et ils vont regretter de s'en être pris à nous. C'était le menu fretin, Magni, hein. Et oui, c'est bien, c'est la partie du jeu où il prend confiance en lui un peu trop, même. Il va falloir le calmer. Mais faut avouer que c'est un peu chiant. Pourquoi je voudrais aller là? J'ai vu qu'on pouvait descendre. Je sais que tu me dis qu'on peut descendre là. Non? Peut-être pas, hein. Eh bien non. J'y vois rien. On n'avait pas une lumière qui nous aidait à y voir plus. Shit the fuck, shit fuck. Thorne, oh putain. Me reproche. À moi, ce que vous avez fait à Magni. Mon propre père m'a traité de lâche. Il a fait plus que ça, on dirait. Pousse-toi. Où va finir ce qu'il a commencé? Je vais te tuer. Non. Il est vaincu. Nul besoin de le tuer. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. J'ai dit non. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout. Ce qu'on veut. Non. C'est ce que j'ai dit à ta mère, juste avant de la prendre. Atreus! Qu'est-ce que tu fabriques? Il coupe bien mieux que celui de maman. Tu as tué contre ma volonté. Tu as perdu le contrôle. Mais sûr qu'il est mort, là? Tu m'as pas appris à tuer. Je n'ai fait que t'apprendre à survivre. Nous sommes des dieux, Atreus. Ça fait de nous des cibles. À compter de ce moment et pour toujours, tu seras marqué. Je t'ai appris à tuer, c'est vrai. Mais uniquement pour te défendre. Jamais pour le plaisir. Tout le monde s'en fichait de lui, de toute façon. Qu'est-ce que ça change? Tuer un dieu est lourd de conséquences. Pourquoi? Comment tu le sais? Comment tu le sais? Surveille tes paroles, Atreus. Peu importe. Casse les couilles, les gamins, hein. Mais il a buté Maudit, là? Il vient de le buter? Pour de bon? Parce qu'en fait, il était déjà vaincu psychologiquement et physiquement, de toute façon, par nous et par Thor. Je sais pas, moi, j'en sais rien, frère. Non, ça va me saouler, je sens, en vrai. Quoique... Juste pour emmerder... Oula, ça fait pas. Hein? Allô? Bruit chelou. Ah non, mais c'est les mines infinies. Oh non, non, viens, on se casse de là, viens, viens. C'est les mines infinies des géants, là, c'est... Aïe aïe aïe, Atreus quoi. Par contre, cette statue d'homme serf, elle est trop stylée, je sais pas qui c'est. Mais elle est trop classe. Yo!
en... Hein ? Attendez. Allez. Ça. Garde tes plaisanteries, Atreus. Si Maudit nous a trouvés, Baldur ne doit pas être loin. Tant mieux, j'aurai quelques mots à lui dire. Non, pas question. Je m'occuperai de lui. Tu veux dire que tu vas le tuer? C'est le sort qu'on réserve à nos ennemis, non? Parce qu'il nous tuerait aussi. Je ne ferai que ce qui sera nécessaire. Et je t'aiderai. Non. Alors lui, je l'avais allumé, non? Ouais, il est déjà allumé. Lui, là-bas, il est allumé. On dirait... Ok, super. Mais il y a un cristal, là, qu'il faut mettre... On va où, là? J'ai pas envie d'y aller, hein. Tu l'es pas... Ah non, putain, il faut qu'on place le cristal pour déchiffrer la stèle. Oh là là. Où est-ce qu'on peut trouver un cristal? Ah mais on peut en choper un ici. Putain, je te promets que si on avait déjà lu la stèle, ça me saoulait. Je m'énervais tout rouge, hein. Faites-le aller encore plus lentement, hein, quand il a son cristal sur lui, s'il vous plaît. On les avait pas déjà ? Les rites de Fjörgyn. Nous observons ici les rites funéraires de Fjörgyn des Jotnar, déesse de la terre et des arbres. Pour sa beauté, elle fut séduite, pour son amour trahi et pour avoir donné la vie. On prit la sienne au sommet et au-delà du pont. Elle sera portée là où jamais le tonnerre ne pourra la trouver, donc Thor. Thor aurait-il tué sa propre maman? Était-ce le premier géant qui l'a tué? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il est à moitié géant, Thor? Compliqué, hein, chez vous, les histoires de famille. Calme-toi, gamin, calme-toi. Et on prend la chaîne. Ah, putain, j'ai mal au nez. Au secours! Ah, d'accord. Ah bah... D'accord. Mais comment ça? Tiens. Comment ça, mon pari il marche pas et le tien il marche? Blabla. Shortcut de mort. Ah non mais quoi encore, on va où là? Mais là on s'en fout en vrai, non, c'est juste qu'il y avait un coffre. Oui. La flemme d'aller vérifier. Mais oui c'est ça en plus, c'est complètement ça.
T'es encore encore. Ah, c'est les... ok. Belle joue. Alors la vie, je prends. Oh con, il a pas aimé. Oh putain, il a pas aimé. L'autre, il est où? Là, il y en a un. Oh! Il veut quoi, lui? Ah mais je voulais pas que je fasse ça, bon c'est pas grave. Aurais-tu oublié ton entraînement? Pourquoi? Tu me parles? Je croyais que t'aimais pas mon ton. Hop, il est où? Il est où? Il est où? Atreus? Atreus? Ah putain, je peux pas le... Tiens. Petite décapitation là. Tiens, viens, sers à quelque chose au lieu de... Raconter que de la merde, mal parler de ta mère, je sais pas quoi. Oh putain, un cristal. À la vôtre. Le Metroidvania. Bon, là, on a de quoi améliorer l'arc du gamin. Je crois que c'était l'arc, hein. On pouvait améliorer. Ta gueule. Oh, s'il n'y avait pas eu tout qu'on avait raté. Et... On a raté des trucs par là. Lui, on l'a allumé. Putain, mais il y a combien de... Il est mort. Bah, oui. C'est vrai qu'en plus je sais même plus par où on monte. Chier. Allô, allô. Ah, lui il est pas allumé lui. En fait ça c'est juste pour nous éclairer, Osef, sinon non. Je sais pas. Ouais. C'est vrai que j'aime pas trop là. De toute façon, cette map est foutue. Et là, on va où? Qu'est-ce qu'on branle? Bon, là, de toute façon, on revient là. It's okay. Là. Oui, mais là on l'avait déjà libéré ce passage, donc Osef. Tiens, regarde, même ça là. Mais on l'a perdu le gosse. Ah, ça y est, on l'a perdu. C'est fini. Merci à tous. Il est bloqué. Il est bloqué où? Il est où? Allô? Ouais, Atreus. Ah, il est là. Allez, putain, bouge. J'ai jamais compris à quoi ça servait, moi, ces trucs de cristaux, là. Comprends pas, hein. Comprends pas. On va aller voir le nain. Hé, hey, qu'est-ce qui vous arrive? Le clapet fermé, l'air renfrogné, comme si vous aviez enfin senti que ça pue ici. Ah, ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'ils recommenceront bientôt à se hurler dessus. Bon,
Dans ce cas, bon voyage. C'est parti. Ah, amélioration de l'arc cerf. Truc pour le petit. Oh putain, ça coûte tellement cher. Améliorer au maximum. Allez, bonne chance. Ah non, attends, j'ai des trucs à vendre. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Après, c'est des trucs que j'oublie, ça. Artefactu. Je suis sûr que tu te sens soulagé. N'hésite pas à revenir avec plus de rebuts à refouquer. Bien sûr. Putain, mais où on va? Parce qu'en vrai, je sais même plus par où c'est, hein, du coup. Objectif, codex, non, carte. Je sais vraiment plus par où on passe pour faire le tour de la mine. Et non, parce que là, on va faire de la merde. Donc en vrai, là... Là, on fait juste le tour de... Hein ? Voilà. Et là, on va où ? Honnêtement, devoir me faire deux fois ces mines, c'est quelque chose dont je me serais bien passé, quoi. Mais tant pis, hein. Ok, donc là, on arrive là. Donc en vrai... Ah mais lui ça soit par terre et tout. On s'en bat les couilles. En 15 bon. Peut-être qu'on est obligé de repasser par là. Bon, allez viens. Oh putain. Ah bah oui. Ben voilà. D'un coup, c'est plus simple. Continue à monter vers le sommet. J'apprendrai que si tu m'enseignes. Tu n'as pas besoin de mes leçons. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé et je voulais seulement la vérité. Où as-tu eu tes lames de feu? Pourquoi les cacher? Il te met de ses vents. Tu m'as dit que tuer un dieu n'était pas sans conséquence. T'en as tué un avec ses lames? Non. Qui d'autre t'as tué avant Magni? Combien d'autres? Tu m'entends? Je t'entends, et je ne souhaite pas en parler. Ne me pousse pas à bout, Atreus. Bien. Mimir? Bonne nouvelle. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai plus rien à apprendre. Ah, félicitations. Mimir qui tient la chandelle depuis tout à l'heure. Ah, je peux rien toucher là. Ça charge un truc. Ça charge de ouf même, hein. Putain. Ça s'arrête plus. Hein. Ah non, mais là c'était là où on a vu le fight avec tous les drogars et après il y a eu le dragon. Après il y a eu Raizlir. Mais ouais, mais c'est l'infinisation de... chargement, en vrai, là, non? Chargé! Ouah, con! Attends. C'était quoi, ce bruit? Ah, merde, c'est des trucs de feu, en plus, là, ils cassent les couilles. Ah ben, merde, j'ai raté. Ok, let's go. Ah merde, ah eux c'est... Ah oh, putain, ils sont chiants. Attends, l'autre. Oh. Mm.
Mais merde, putain, mais voilà, mais je le savais, quoi. Attends, attends. Lui, mais... putain, oh, il me casse les couilles. Non, on marque, regarde. Ah ouais, mais il était... Mes frères, attention. Je vois les signes de l'activité récente d'un dragon sur les murs, là-haut. On a déjà tué ce dragon. Ah ouais. Ah oui ? Ah oui ? Bien. Et comment ça s'est passé ? Ça va. He's ok. La routine, quoi. Voilà... Là, on part. Quoi, on peut faire quoi, là? Alors, je sais pas pourquoi je t'envoie là, mais t'y vas. Hein. Ah. Oh, nice. GG, gamin. Ok, let's go. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, mais... Oh non. T'es de glace, t'es de feu, t'es de quoi, toi? Voilà. Peut-être qu'il faut que je te dise de tirer sur tous en mode... Comprends pas, hein. Ah d'accord, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien, ok. Je vois. Et sous... Donc là, en vrai. Voilà. Ok. Oh là là. Oh là, il y a plein de trucs à faire, putain, Jean. Oh non, pas du vent. Pourquoi faire? Où il y a des boules magiques. Infinisation. Ouais. Jolie zone ouverte. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit « Ne pas réveiller ». Ah, ok. On s'en moque. On a tué des tas de choses dans... Ouais, ouais, ta gueule. Ne pas réveiller, j'en ai vraiment assez qu'on me dise quoi faire. Cette montagne, à qui le tour maintenant? Ouais, non, tu vois, voilà. C'est papa qui fait le plus gros du travail, hein, quand même. Ce serait bien que tu l'oublies pas, quoi. Voilà, alors si tu pouvais le toucher la prochaine fois... C'est pas grave, c'est pas grave.
Non mais lâche. Non. Ça s'est plutôt bien passé. C'est quoi cette chambre de mort? Attends, on va... Ah putain, c'est pour là qu'il faut le vent de elle, mais comment je l'amène jusqu'ici? C'est pour un code, toi? Ah, impossible que je l'amène jusqu'ici en 10 secondes. Impossible. Et non, comment je fais? Peut-être qu'à un certain moment... Ah, c'est trop court. Peut-être qu'à un moment donné... Là, je te mets là, mais d'ici... Là, il est loqué. Comment ça, il est loqué? Je peux plus le reprendre. Hein? C'est bon ou il a duré plus longtemps que 10 secondes? Non, il a duré 10 secondes. Même de là, c'est chaud, quoi. Ah, c'est impossible. Pas possible. Atreus, par ici. Comme tu veux. Carte au trésor, encore une carte au trésor. Les Valkyries me traqueront jusqu'à mon dernier souffle. Si elles veulent ce qui m'appartient, je vais le cacher juste sous leur nez. Ah putain, je sais où c'est. Con, celle-là, je sais où c'est en plus, pour de vrai. Hein. Normalement, c'est vraiment pas mon fort, les cartes au trésor. Faut savoir se repérer sur la map et tout, et moi, non, c'est mort. Et là, je sais. Là, j'ai compris. Allez, par ici. Ouais, non, mais attends, okay, putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais putain, mais qu'il est con! Fais chier, quoi. Et voilà, et voilà. Non! Pas déjà. Alors je pouvais me lâcher de la vie. Voilà. Non. Mais il me saoule. Comment je le pars ça? Ah, je crois que je... Mais non! Mais comment ça? Honteux? Oh là là, je suis mauvais, hein. Voilà. Comment ça, le dernier des anciens? On les a tous tués.
Oh, il commence à me saouler le gosse, mais vraiment. Non. Ouais, ancien givre, on connaît, ouais. Saut de concentration du givre, ouais, on en a déjà un comme ça. Ça, c'est censé être de la rage. Même pas. Cœur d'ancien, nice. Allez, paf, petit full life là. Ça, il va me falloir un cristal. Allez, gamin. Non. Ça, on peut le pousser. Là, il y a ça. Ouais, il y a plein de trucs en fait. Ok, let's go. Faire un peu de feu. Ah, mais ça peut peut-être aider pour calmer le géant. Bref, il nous refont un éclat de lyrium. Quoi placer sur le coffre? 6 contre. Gamin, tire. Merci, Big. Alors attends, parce qu'on pouvait pousser le chariot. Là. Et non, on peut le tirer. Alors, à tous les coups, on peut soit le tirer, soit le pousser. Pourquoi? On ne sait pas, mais on peut. Voilà. Lâche-le. Il ne dit pas qu'on peut grimper dessus, non. Ok, des sous. Et... c'est tout? Ok. Bon bah go alors. J'adore. Encore. Voilà. C'est quoi? Nouveau parchemin trouvé. Asgard scellé. C'est fait, les défenses d'Asgard sont impénétrables. Tous les accès ont été bloqués sauf ceux contrôlés par Odin. Le fléau des morts ne nous touchera pas et n'avons plus rien à craindre des vannes. Thor doit en être informé, car il devra bientôt jouer son rôle dans le plan du Pepe de tout, le gardien corbeau. C'est qui le gardien corbeau? Ok, let's go. Moi, ce que je propose quand même, c'est qu'on fasse une petite pause. Un petit arrêt, YouTube, des bisous. Merci, pouce bleu, abonnez-vous comme d'habitude. Lien de Twitch dans la description et à très bientôt pour plus de God of War ou d'autres choses. On va pas tarder à tomber sur un nain, ça va être épique. Allez, des bisous, ciao.